nous sentir à travers liturgie, messieurs, nous presque arrivons en fin année liturgique là. Nous connaissons la semaine prochaine, déjà dimanche demain, c'est dimanche qui soit, et dimanche qu'après là, c'est l'avant, c'est une nouvelle année liturgique. Mais nous sentir dans la fin année liturgique là, gon ado morceau l'évangile ba nous qui permet nous réfléchir sur la fin des temps, sur la fin personnelle ou et individuelle pour rendre compte de ce qui fait. Le morceau de l'évangile ça nous aujourd'hui c'est un paquet l'autre morceau l'évangile qui permet nous réfléchir sur la vie nous. Qui ça nous t'est fait et comment tout nous tout qui là nous gagne pour nous rendre compte de la vie nous, de ce qui fait sous terre, de talent et baou, de ce qui gagne comme capacité, de ce qui gagne comme moyen, de ce qui gagne ou même comme valeur qui sont fait avec lui. C'est sous ça qu'on va juger nous. Donc on nous aujourd'hui, il dit Jésus ben chaque monde une pièce d'argent. Pièce d'argent à l'époque, ça c'est un bagage qui était capable de vaut plus de 10 000 dollars. Pièce d'argent. Mais les balis, pour faire commerce. Les balis, pour faire le fait petit. Et même, j'en tout bon Dieu, mettez la foi dans vous-même qui soit fait avec elle. Combien de monde qu'on convertit avec la foi. Combien de monde qu'on fait tourner l'église. Casser tête tourner l'église. Combien de monde qu'on aide avec conseil qu'on baille. Combien de monde qu'on aller à l'hôpital qui est malade. Combien de monde ou aider qui n'a pas problème dans souffrance? Combien de monde qui malade tout ou à la caillou ou aider même on lave on mode de morceau garde ou pour tout morceau manger pour lui? Combien de monde qui fait ça? Combien de monde qui aider soi-disant qui dans prison ou bien qui ont l'autre côté et qui pas qu'une personne? Combien de monde qui aider? Combien de monde qui soutenir dans souffrance ou dans la peine yo? Combien de monde? C'est sous ça on va juger nous. Nous te ouais Saint-Jacques il dit nous dans l'épître là une foi sans les œuvres est une foi morte. Yon moun ti dou gen la foi et ou pa jam fè œuvre, pa fè ken action, et bien ou son gon la foi ki mouri, oui. Plus loin de di nou, montre-moi ta foi à travers tes œuvres. Montre-moi la foi ou, avec zèv ou yo, avec son fait. Qui son fait sous terre? Ou imaginons chrétien, lors il veut devant mon Dieu nan grand jugement, puis il pose une question. Et pour ne pas dire rien. Et pour ne pas tout le monde. Et bon, les gens qui parlent de la sentence, ils ont dit, bon, je vais vous mettre maintenant dans le hôtel. Mais ça, c'est le hôtel. Mais ça, c'est le hôtel. Mais ça, c'est le comme capacité. Ils ont dit, et même pas de connaître ça pour me défaire avec elle. Attention, chrétien. Et même j'ai avec dernier là, dernier serviteur qui prend l'argent, qui prend pièce d'argent, qui met dans le mouchoir et qui met dans le bateau qui a le serril. Au lieu pour le au moins, mettez la banque. Attention, chrétien. Donc, pour nous rendre compte de toutes sortes de pour te faire sur terre. Quel que soit hauteur, quel que soit largeur. Moi-même, comme père, pour me rendre compte de ça, me défait. Mais, qui là, autour, pour nous rendre compte. Nous, tous qui là, nous, pour nous rendre compte de faibles moyens, de faibles capacités. Pas dit, oh, moi-même, je ne pas mais je ne pas paix, je ne pas gagner pour me bailler. Et vrai, quand on habite là, dans le cas où on habite dans le quartier, qui sont faits? Qui mode d'évangélisation que nous-mêmes nous faisons? Comment que nous-mêmes nous montrer, nous prouver tout le monde dans le quartier qu'autorité a, qu'on est chrétien, qui sont faits chrétiens. Qui combien de fois dans la journée, ou font une bonne action, ou du moins combien de fois dans la vie, ou produit une bonne action, qui sont faits chrétiens. Ou pas faire rien, ou bien sentence sur tout. Ou t'es négligé, ou t'as vivre en négligent, ou bien sentence sur tout chrétien. Chaque monde, selon action, selon œuvre. Tant pis, ce frère, profitez pendant qu'il y a temps sur terre. Corrigez-vous, fais ça qui est bien, fais ça qui est droit. Que bon Dieu bénisse nos matins.